Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler de Foundry 8TT, notamment un petit truc super sympa que je trouve dans ce logiciel de table virtuelle qui est encore en bêta et qui devrait très prochainement sortir en version finale d'ici fin mai. Ce sont tout ce qui est les effets sonores et autres bruitages qu'on peut mettre en automatique sur une map. Ça rend la chose beaucoup plus immersive pour le MJ et surtout pour les joueurs. On voit ça tout de suite en image. Voilà, donc je clique sur la petite musique, je crée un cercle pour désigner ma zone, voilà, je relâche, je vais chercher mon fichier, donc la feuille de bois parce que c'est une sorte de cheminée, voilà, je sauvegarde, je refais pareil de ce côté-là, ah là non, je suis de l'autre côté du mur, hop, je vais le faire juste au-dessus, voilà, je relâche, une fois que j'ai fait ma zone. Je vais chercher mon petit son qui là, un petit son de personne qui marche dans l'eau. Je sauvegarde. Ok. Et enfin, je refais une autre petite zone de son. Je fais un petit son magique sur cette pierre. Une sorte de grosse pierre magique qui émettra un son à l'approche des joueurs. Je sauvegarde. Et voilà. Rien de plus dur. Alors sincèrement, c'est super rapide, super simple à mettre en place. Et maintenant, on regarde ce que ça donne en live avec un petit personnage. À tout de suite. Chouillot. Bah, tu es dans une grotte. Allez, approche-toi de la cheminée. J'entends le bruit de la cheminée. Allez. Maintenant, traverse ce petit couloir. Oh, il t'a de l'eau jusqu'à cheville, ne t'inquiète pas. Avance. Maintenant, je suis tout mouillé. Et regarde le gros caillou. C'est un caillou magique. Allez, retraverse et retourne à la cheminée pour te... Oh, mais c'est vraiment trop bien les effets sonores. Voilà, j'espère que cette petite séance sur les effets sonores de Foundry VTT vous a plu et je vous dis à une prochaine. À bientôt!